Momochi qui semble pas aussi sûr de lui que ça. Et ça, c'est pas bon du tout. Momochi qui va devoir se, pardonnez-moi l'expression, mais se sortir un tout petit peu les doigts s'il veut striker le reste de la team. Son prochain adversaire sera Chiroglyph. Ça peut se traduire viande blanche, non, je crois. Qui est maître avec, avec Abel, car un ratio de victoire de 67%, c'est surtout ça qu'il faut regarder. Le ratio de victoire, 67%, c'est quand même assez gros. Allez, quelques Skyfall dans le vent pour charger la barre de super. Et Momochi qui lance le premier l'attaque avec un petit H-kick dans la garde. La Marseille Roll Shop arrêtée immédiatement par Momochi. C'est bon pour le moment, Momochi qui est bien d'un point de vue positionnel. Encore un Demon Flip main cross-up. Vous voyez, pour essayer de passer une shop. Il l'a fait souvent hein, cette phase-là. Les Demon Flip corner cross-up pour essayer soit de passer des shops, soit des coulots. La Saving qui arrête parfaitement la balayette de Momochi. Encore un H-kick dans la garde. Attention, Momochi qui se montre peut-être un tout petit peu plus offensif. Bien joué, la Marseille Roll qui passe au travers du Hadoken, suivi de la shop. Marseille Roll crossover qui n'a pas fait mouche sur Momochi, qui est quand même attentif, mais en retard à l'énergie. Momochi qui a du mal là. Le Tornado Slew évité par la glissade du démon. Marseille Roll, Tornado Slew. Alors je dis Slew, oui, c'est vrai que c'est trop. Je sais pas comment on dit, il dit Slew en japonais. Le Shoryu Cancel, Shakunets, attention, le mix-up de relevé, Demon Flip Shop parfaitement exécuté, Demon Flip main de la part de Momochi, Demon Flip descente du pied, enchaînement de light, et la chic qui va passer dans le vent, immédiatement glissade du démon pour prendre la distance, au vertical, medium kick, le H-kick qui est passé, mais dans le début du saut de Chiroglyph qui ne permet pas, bien joué le Cancel, le change of direction qui permet de placer un Tornado Slew, attention Marcel, Tornado Slew évidemment, backdash, et H-kick, light punch, H-kick, et un petit loop de la part de Momochi, magnifique. Tout simplement Momochi qui a évité en fait le Tornado Slew par un backdash et boum, direct image kick. Si c'est pas superbe ce genre de phase là. Là-dessus, le mind game était parfaitement installé. Attention, H-kick, light punch, un tout petit peu loin pour repêcher au Shoryu. Le cross-up medium kick, cancel de Hadoken, bas medium punch, Tatsumaki. Le petit Shoryu qui passe encore. Le saut medium kick, H-kick qui passe dans la tentative de fuite. Stun au gros point, H-kick, light punch, H-kick, light punch, H-kick, light punch, balayette. 14 hits combo. Oh, il a raté son Demon Flip Shop. Il se prend avec Tornado Slew. Attention à la saving. La sacrification qui ne passe pas. Non, mais oh! Non mais oh, tu prends qu'un, t'as Momochi en face hein monsieur là. Évidemment tu te fais punir au Ekstatsu. C'est tout simplement super ce qui nous a fait la Momochi. Une démonstration. Il faut dire que pour le moral, ce qu'il a fait à la fin du round 1, à savoir éviter le Tornado Slew par un backdash, immédiatement contré par un H-kick, c'est vraiment assassin. La tombera, il en prend un coup, je fais oh, ma phase, elle était magnifique, ma phase, et je me fais démonter la tête. C'est qui ce mec en face là? C'est qui? C'est quoi ça? C'est incroyable, c'est pas possible, il est pas humain, c'est un démon, c'est Momochi, oui, tout simplement un des meilleurs joueurs du monde. En tout cas pour ce qui est du versus fighting, ici opposé à un Rufus qui commence juste hein, qui a une nouvelle carte. Notez Rookie, mais faites très attention évidemment à ce Rufus, parce que son niveau est totalement inconnu. Et là il met bien la pression sur Momochi qui a vraiment du mal. Momochi qui est encore obligé de striker cet adversaire, qui arrête les descentes du pied avec le deuxième hit du H-kick. Son gros pied qui est passé, décalage shop, Momochi qui dash, Demon Flip shop, Air Hadoken, Overhead qui passe en backdash, RX Hadoken, allez ça touche, H-kick c'est bon, stun, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il va lui mettre? Son gros pied, gros point, Tatsumaki, dash Shoryu, magnifiquement exécuté de la part de Momochi. C'est tout simplement super, Momochi qui prend le premier round et qui est sur le point donc de qualifier son équipe pour les phases finales de ce Nagoya. Un petit Shoryu cancel, Shakunets, le cross-up qui passe, Balai Punchline, gros point, Tatsumaki, Dai Shoryu, c'est magnifiquement exécuté de la part de Momochi, qui ne rate rien, qui s'envole ici pour un quasi perfect à 50% de barre de son adversaire. Pour le moment, rien ne peut entacher. Voilà le H-kick qui passe sur le diagonal avant, bas, medium kick de Rufus qui a essayé de passer un coulo. Là aussi, ça se fait arrêter. La balayette qui passe, c'est impossible. Ah, le coulo qui passe, la chop, attention. Ça, c'est pas bon. Momochi qui se retrouve dans le coin. Balay kick, encore un tick trop qui est passé. Attention, le petit jump cross-up suivi du ex-tornado. Non, pardon, du ex-messia. Cancel tout ultra. Momochi qui vient de se faire vider 98% sa barre de vie, qui prend la descente du pied cross-up. C'est pas possible. Momochi qui vient de se faire battre du diable vauvert
par ce Rufus No Name. Attention, ce Shoah kick dans le vent et se fait arrêter par le Ex-Arado. Okay, non, l'ex-Messi à la relever, c'était pas beau et ça fait très mal. 17 du démon pour reprendre la distance. Attention, le Rufus qui est mieux parti, beaucoup mieux parti que dans le round précédent, qu'il a réussi à remporter. Je vous dis, avec Rufus, tu passes un Messia, c'est terminé. Surtout face à Gouki, le pauvre Gouki qui n'a rien, il a pas de barre de vie. Le Hachi qui passe, Balai Punch, Tatsumaki, un petit Shoryuken Cell, Shakunet. Allez, on fait travailler le stun, la descente du pied qui est passée, mais il était déjà en l'air. Nona, il n'a pas pu suivre. Bien joué, la Sevi qui arrête le bas gros point. Ça, c'est encore des réflexes à la limite de l'humain de la part de Momochi. Momochi qui a toujours une courte avance sur son adversaire. Finalement, si l'on comptait à l'énergie, je pense que Rufus aurait plus d'énergie que Momochi à ce moment-là du match. Même si sa barre est plus basse, je pense qu'il en a plus. Hein. Rufus, c'est quoi? C'est 1100 points de vie, je crois, face aux 850. Attention, l'ultra encore du double flip. Oh, ça passe, c'est magnifique. C'est magnifique. Et ça va faire très très mal à Momochi. Attention, parce que là, le pressing est gratuit. Oh, la glissade du démon dans le mauvais sens. Enchaînement de like dans la garde, un gros point. Non, 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 pas cet ultra qui permet quand même à Momochi d'éviter de se faire presser. Enchaînement de la descente du pied, balai kick. Allez, balai punch qui passe. Momochi qui n'a pas réussi à résister aux assauts de ce Rufus qui a, ma foi, magnifiquement joué, qui a très 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 bien joué avec cet ultra en compte du démon flic, tout simplement réflexe qui est superbe, et ce diable vauvert, mais incroyable de la part de ce Rufus. On n'a pas son nom, c'est une nouvelle carte, je ne sais pas vraiment qui il est, et probablement un énorme joueur qui vient de se mettre à Rufus, et ça fait vraiment très très mal. Voilà, élimination donc de la team de Momochi, qualification pour les phases finales de ce Nagoya Street Battle, de la team Stalker, Shiroglyph, et de ce Rufus No.